Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager ma recette des tripes. Donc, du coup, je vais vous montrer comment je prépare les tripes pour dîner ou pour déjeuner. Donc, du coup, c'est ma deuxième vidéo en français. Je vais vous montrer ma recette de tripes. N'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu et laissez-moi les commentaires. Et n'oublie pas de s'abonner. Merci. Donc, je vais vous partager comment je prépare les tripes. Donc, du coup, là, j'ai découpé des oignons qui sont là. Les oignons coupés en dés. J'ai également bouilli les tripes qui sont là, les tripes. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est les tripes. Les tripes, j'ai déjà mis à bouillir pour que ça cuit plus vite, en fait. Ça va cuire plus vite si vous bouillez. Vous voulez bouillir avant de les cuisiner. Hein. Comme ça, j'ai coupé en petits morceaux. Celle-là, c'est des tripes de veau. Et également, tu peux utiliser les tripes de la vache. Donc voilà. Et puis, je vais vous montrer les autres ingrédients. Donc, je vais utiliser des tomates coupées en dés. Je vais utiliser un petit bout de gingembre. Je vais utiliser l'ail. Et je vais utiliser coriandre et je vais utiliser des cubes. Ça, c'est des cubes, des bouillon cubes. Également du sel et du poivre. Bah, c'est très simple. Donc, du coup, je vais lancer des oignons. Très, très simple. Donc, les oignons. Jusqu'à ça cuit un petit peu pour donner le goût. Et puis après, quand c'est cuit un petit peu, je vais vous montrer, je vais mettre l'ail et le gingembre. Et après, je vais mettre la coriandre et les tripes. Je vais vous montrer tout ça. Ça y est, les oignons sont cuits. Comme ça, quand ils sont comme ça, je vais remettre l'ail. Donc, les oignons sont cuits. Donc, je vais mettre de l'ail. Et le gingembre. Je vais sentir ça sent beau. C'est juste un tout petit peu parce que là il est très vite comme elle est déjà écrasée. Et après je vais mettre la coriandre. Et je fais juste quelques minutes. Je fais quelques minutes et après je vais mettre les tripes. Donc là, l'oignon, ail, gingembre et coriandre sont bien cuites, sont bien saisies. Donc là, je vais rajouter les tripes qui sont comme ça, déjà coupées. Voilà. Et maintenant, on n'a pas besoin de cuire longtemps. C'est déjà bien. Là, je vais rajouter les condiments. Je vais rajouter les tomates. Je vais rajouter les bouillon cubes. Et du sel et du poivre. Très facile, cette recette. Vous pouvez le faire à domicile. Mais par contre, quand vous faites le trip, ça sent. Hein? Ça sent. Il faut bien mettre à bougie. Bien fermer la cocotte. Moi, normalement, j'ai fait avec la cocotte minute qui ferme avec cette couverture. Là, qui ferme très bien. Et comme ça, il y a moins d'odeur. Il y a moins de l'odeur.
Et puis ça cuit très vite en fait. Au bout de 30 minutes, c'est déjà cuit des frites. Donc c'est mieux de l'utiliser après 30 minutes si vous avez. Si vous n'avez pas, utilisez la casserole normale. Mais bon, il faut mettre peut-être un petit bouillon cube dedans pour un peu masquer l'odeur des frites. Et par contre, quand les frites sont cuites, comme ça maintenant, il n'y en a pas d'odeur. Donc c'est très bien. Moi aujourd'hui je vais mettre les épinards avec. Les épinards en boîte, hein. Je vais mettre les épinards en boîte et je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va manger avec. Aujourd'hui, je vais manger avec le ougali. Ougali, c'est un plat kényan. C'est pas un plat, c'est un accompagne en fait les sauces, toutes les sauces. Donc je vais vous montrer ça quand je vais les cuisiner. Oui, j'ai rajouté les tomates. Et maintenant, ça commence à faire très joli. Donc, je vais laisser cuire un petit peu d'autres minutes pour que les tomates rendent tout son jus. C'est bien. Et puis après, je vais rajouter les épinards. Now they are cooked. I'll add the. Je vais rajouter. C'est bien cuit. Maintenant, je vais rajouter les épinards. Les épinards en boîte. Hein. En fait, les quantités, ça compte. Ça va compter à peu près combien de gens tu fais manger, combien vous êtes dans la famille, si vous avez des invités ou quoi. Donc, ça va compter. Moi je mets une boîte entière d'épinards hachés. Là je mélange bien. Voilà, bien. Et je vais rajouter un peu de tomate, un napolitain. Tomate environ 2-3 cuillères. Là. Comme ça. Donc voilà, maintenant c'est comme ça. Donc là, tu vas goûter juste pour savoir si c'est, il y en a assez de sel. Wow. Et après, là, 2-3 minutes, c'est déjà cuit. Et je vais faire cuire ougali. Ougali, c'est un plat, je vais vous montrer. En fait, c'est à base de farine de maïs. À base de farine de maïs. Il manque un tout petit peu de sel. Voilà. Puis voilà, les tripes sont déjà cuites. Avec les épinards. Voilà, donc les épinards sont cuites. Donc du coup, tu vas baisser à 1. Je vais le laisser chauffer et puis moi je vais préparer l'ougali. L'ougali c'est à la base de la farine de maïs blanc qu'on achète dans les magasins chinois ou arabes. Donc c'est très simple à faire, c'est comme un gâteau en fait, il faut juste mettre de l'eau et bouillir. Quand ça bout, on met la farine. Je vais vous montrer ça. Donc, du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait la ougali. C'est à base de la farine
blanc de maïs. J'enlève un tout petit peu de l'eau pour s'il y en a beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup. Et après il faut verser. Quand l'eau bout, en train de bouillir, je vais vous montrer comment je cuisine ugali. C'est à base de farine, la farine blanche de maïs. Mais si vous n'avez pas la farine de maïs, vous pouvez utiliser du riz, des pâtes pour accompagner en fait les tripes. Donc là c'est très simple, juste mettre la farine et puis en fait le fait c'est comme un gâteau, hein. Comme un gâteau, tout y est jusqu'à tout soit consistant. Il y a plus d'eau, juste un petit peu. Quand c'est comme ça, je baisse un petit peu parce que sinon, c'est pas mon brûlé. C'est très simple à faire. En tout cas, ça c'est un peu consistant. Hein. Juste manger un petit bout et puis voilà, c'est beau. Parce que c'est la recette de ma maman, c'est la cuisine de ma maman, donc du coup c'est pour ça que je voulais vous partager et pas avoir peur de cuisiner les tripes quand vous trouvez. Normalement moi je les achète dans les magasins halal, voilà, dans les magasins halal vous pouvez trouver des tripes. Ou même à Leclerc, hein, des fois ils en vendent. Si vous êtes en France, ils en vendent en France aussi, à Leclerc. Bah, les tripes, bah, en fait, après il faut. Normalement, je prends 1 kilo. Hein. C'est comme ça, on mange aujourd'hui, et puis après, on peut manger dans un autre jour, pour les amener au travail. Ça reste toujours. C'est encore meilleur à réchauffer. Donc, vous voyez, c'est très simple à faire l'ugali. Je vais terminer, après je vais vous montrer comment je l'installe. Yeah, now this is ugali. Ah. Ça y est, maintenant le ugali est cuit. Et nos épinards et les tripes sont déjà cuites. Donc, du coup, je vais servir ça et puis je vais vous montrer. Donc du coup, vous pouvez manger avec à côté un avocat. Il y en a qui rajoutent de piment. Moi, je n'aime pas le piment parce qu'il y a les enfants qui vont manger. Donc, du coup, c'est à vos goûts. Vous pouvez le mettre à vos goûts. Voilà, ça, c'est le plat terminé. Vous dégustez avec de l'eau, de jus, du vin. Je bois du vin blanc. Et voilà, bon appétit. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Si vous aimez les vidéos de recettes, et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Donc, c'est les épinards avec les tripes et accompagné par ugali et avocat. Bon appétit! N'oubliez pas de vous abonner, laissez-moi les commentaires et à très bientôt! Merci!